Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une multiplication en base 5. Commençons par compléter ce tableau avec les différentes multiplications. 1 x 1 est égal à 1, 1 x 2 est égal à 2. Il est trivial de remplir la première ligne et la première colonne. 2 x 2 en base 10 est égal à 4. Ça sera le même résultat en base 5 car le chiffre 4 existe. 2 x 3 en base 10, ça nous donne 6. 6 ne peut pas s'écrire en base 5. On va donc devoir le convertir. C'est 1 5n plus 1, 1, 1 de la base 5. 2 x 4 dans notre numération, c'est 8. 8, on sait que c'est 1 5n plus 3. On l'écrit 1, 3 de la base 5. 3 x 2 va être égal à 2 x 3, parce que la multiplication est commutative. 3 x 3, c'est égal à 9, c'est-à-dire 1 5n plus 4. 3 x 4, c'est égal à 12, c'est-à-dire 2 5n plus 2. 4 fois 2 est égal à 2 fois 4, on écrit 1, 3 de la base 5. 4 x 3 est égal à 3 x 4, on écrit 2, 2 de la base 5. Et enfin, 4 fois 4, c'est égal à 16, c'est-à-dire 3, 5n plus une unité. Maintenant que l'on connaît notre table de multiplication, on va pouvoir réaliser l'exercice suivant, poser et calculer 2, 1, 3 de la base 5, multiplié par 4, 2 de la base 5. On va commencer par multiplier 2, 1, 3 par 2. 2 fois 3, d'après notre table à droite, c'est égal à 1, 1 de la base 5. On écrit donc 1 et l'on retient 1. 2 fois 1, c'est égal à 2, plus notre retenue, ça nous fait 3. On écrit 3 et on barre la retenue. 2 fois 2, c'est égal à 4, on peut écrire le 4. Passons maintenant à la multiplication 2, 1, 3 par 4. Il s'agit de 4 5N, donc il va nous falloir indiquer le décalage avec un point ou un 0 pour dire que l'on est passé au rang des 5N. 4 x 3, c'est égal à 2 2 de la base 5. On écrit 2 et on retient 2. 4 x 1, c'est égal à 4, plus 2 de retenue. Après 4, il y a 1 0 et encore après 1 0, il y a 1 1 de la base 5. On va donc écrire 1 et retenir 1. Ensuite, nous faisons 4 fois 2, qui est égal à 1,3 de la base 5, plus la retenue, ça nous fait 1,4 de la base 5. On écrit comme ceci, le 4 et le 1. On peut maintenant réaliser notre addition. Pour les chiffres des unités, c'est donc 1. 3 plus 2, ça nous fait 5, c'est-à-dire 1, 0 de la base 5. On écrit 0, on retient 1. 4 plus 1, ça nous fait 5. Encore 1, ça nous fait 6 c'est-à-dire 1-1 de la base 5, on écrit 1 et on retient 1. 4 plus 1, ça fait 5, c'est-à-dire 1-0 de la base 5, on écrit 0 et on retient 1. Et enfin, 1 plus 1, c'est égal à 2. Voilà notre résultat final. 2-1-3 de la base 5 multiplié par 4-2 de la base 5, c'est égal à 2-0-1-0-1 de la base 5.